sais pas, mais... Mais bon, je vois la même chose, vous attendez pas que je fasse un score... Oh, pas cool, moi j'ai fait un effort, j'ai fait 10 snaps. C'est ça, là. Putain, l'équipe que je perds, il y a juste des joueurs qui coûtent cher, mais tu vois, genre, si tu veux, tous les jours ils coûtent moins de 10 000 la plupart. Tu vois, soit moins de 20 000. Pas tous. La plupart, genre des youtubeurs FIFA et Pelo, ils se font direct acheter des points FIFA pour paquer. Pelo, déjà, Tony 25, il a dit qu'il s'emballe dessus. Oui, c'est déter. Vous êtes l'ami, hein. Tout le monde, déjà. Mais oui, Zeklani, Pelou, il a à peine joué, en fait, c'est, que... Ça, c'est plus, en fait, c'est plus addictif que les ravitaillements sur Call of. Parce que ton but, c'est d'avoir des joueurs. Et c'est beaucoup plus addictif. C'est la presse, hein. Bah oui, en fait, c'est ça. Non, mais je connais un peu le truc de FIFA, mais c'est vrai, en fait, c'est plus addictif que Call of, ça, sur ce là. Par contre, tu en fais rien. Non, ça prend ça prend du fantôme. Désolé. Bah, meurs pas, s'il te plaît, non. Désolé. Tu me sors en hater, tu sors de l'hater. Ouais, je pense que c'est bon. Non, j'étais anti, mais j'étais en train de camper. T'as pas ton armure sur anti. Bah, je venais de l'utiliser sur des personnes. Putain, j'ai acheté Pato. Putain, je vais acheter Zidane comme entraîneur. En plus, il était littéralement. C'est le carrière. Non, quand c'est le reload, c'est chiant quand c'est le reload. Me lâcher le web, ouais, ils vont pas les trouver. En vrai, Pelo, Clara et tout, ils disent que c'est toi qui est jaloux. Pelo, c'est elle qui est jaloux en vrai. Elle qui est jalouse en vrai. Parce qu'elle s'est fait plaquer par message. Non, mais. Elle est fou, elle est fou de pas faire français, c'est bon. Pour répondre à Anna sérieusement à Paul, non, c'est que ça se trouve, comme elle l'a dit, comme tout le monde me dit, ça se trouve qu'elle m'aime vraiment plus, mais tant mieux, mais elle a dit, elle se mettrait, en tout cas, elle se mettrait pas, apparemment elle se mettrait pas avec quelqu'un, enfin en tout cas, elle voudrait pas le message, parce qu'elle trouverait que ça se fait pas, justement, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais franchement, moi tu l'as dit plus tôt possible, Pelo, t'as pas laissé le suspense. Oui mais le truc c'est que si elle s'empêche de sortir avec quelqu'un, si par exemple elle aime quelqu'un et que la personne aussi ne va pas sortir ensemble par rapport à moi, mais je m'en fous en fait. Ils peuvent même baiser ensemble, je m'en fous. T'en bats les couilles de ton ex. Mais oui, je m'en fous. Bah de base, je crois qu'il m'avait demandé un truc dans le genre, j'ai pas compris l'histoire parce que je m'en bats les couilles complètement. Ah oui, elle avait demandé la dernière fois. Le gars, il avait demandé, mais je m'en fous perso. Ça, je lui passe la vie. Pelo, j'ai vu un peu ta relation. Pelo, ça m'a déjà dégoûté. En fait, je t'explique, Anna, il critiquait ma relation avec Clara. Il disait, ouais, tu calcules jamais et tout. Ils comprennent pas que c'est pas parce que toi, tu calcules la personne que Clara va calculer. Je lui parlais, elle me parlait à peine, et c'est tout. Après, ça finissait, hein. Et si moi elle voudrait pas embrasser Adrien, elle voudra pas quelqu'un d'autre en fait. C'est tout. C'est ça qu'ils comprennent pas en fait.
Et aussi quand j'arrive et qu'il y a Brice, il me dit ça fait pas, de toute façon je ferai jamais. Déjà parce que je suis des amis, et il a dit je sortirai jamais avec Clara genre, par rapport à toi. Mais en fait ce qu'ils comprennent pas c'est que moi j'en ai rien à foutre. Enfin, je sais pas. Ne serait-ce qu'un jour après. Non mais franchement je m'en fous. C'est sa vie, c'est la mienne. On n'est pas nés ensemble, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère. C'est pas ma mère, elle fait pas partie de ma famille. Enfin on n'a plus de relation, enfin je m'en fous moi, c'est vous. Ouais bon tacle, ouais, tu t'en bats les couilles. William Carvalho. Par contre je te dis c'est pas ma classe hein. J'ai ramassé par terre. Ils ont décidé de poser. Moi j'ai découvert quelques classes qui passent crème. Genre à la crème. Ouais ça va. Moi j'ai fait que j'ai fait un petit peu. Elle est super bien. Elle est solide. Ça a été touché hein, par le défenseur. Je suis dégoûté pour les Leicester au début de partie. Je pense que ce sera une grosse série. Cette game. Ouais, parfait, c'est ça. 4-6, 3-4, 2-6, 1-2, 0. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. C'est ce que tu veux qu'on dise sur Ronaldo. Il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Ballon hein, intercepté par Griezmann. Oui, c'est pour Griezmann ça. Enfin, moi, est-ce que. Non, mais les gars, franchement, est-ce que moi je suis toujours en train de vous parler de Clara? Non, non, bah, les voilà. Je vois pas. Et eux, ils sont toujours en train d'en parler. Ils ont pas lâché l'affaire. Putain, tu comprends pas. Ça fait trois mois, ils ont pas encore compris, ils n'en ont plus rien à foutre d'elle. Mais non, je vous parle par respect, mais voilà, juste par respect. J'ai demandé un truc à la France, la France elle a pas voulu m'expliquer, mais bien Angelo, voilà, il faut faire ça avec lui. J'ai dit ok, merci, mais c'est tout. Tu vois, enfin, il y a pas de, je te fais la vie, je te sais pas, non, je te donne avec toi. C'est tout, voilà. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'équipe de France. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et la frappe d'Antoine Griezmann, c'est pour le gardien. Ah non, il a mal contrôlé ce ballon. Ah, c'est bien dosé. Blaise Matuidi, elle arrive le gardien. Et la France ouais, a bénéficié de la corner. Anthony Martial. Ouais, c'est mieux, quoi. Et le but. Il mène au score désormais. Un but qui fait du bien hein, pour l'équipe de France. Excellente finition sur ce corner. Le joueur qui a sauté au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ils construisent, ils font tourner. Non, mais en gros, non, mais c'est pas par rapport à lui parce que dis-toi que maintenant on en rigole, on se mêle. Il y a personne qui. On ne dit pas parce que sinon ça va encore faire une histoire. Une fois, quand on était dans les vestiaires, demande à Anas. Dans les vestiaires du sport, Maïs et Marine, elles faisaient la gueule. Et je lui ai dit, après, je lui ai dit, tu sais pas quoi, Maïs, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu me ressembles à. Elle m'a dit, à Brice. Et Brice, elle m'a dit, ah, bah, c'est normal parce que je suis ton idole. Et du coup, on rigole sur ça. Et maintenant, par exemple, des fois, quand on a dit le même truc ou quoi, on dit, ah, bah, attends, tu me copies, tu me kiffes. Enfin, genre des trucs dans le genre. Bon, on en rigole. Alors que, enfin, je sais pas, enfin. Voilà. Franchement, j'ai envie de me prendre la tête. Fais admirer sa technique. Oh, que c'est beau. Oh, le ballon dans le fond. Et c'est pour le gardien. Moi, perso. La bonne intervention. Elle la voilà. Non, mais Bruce, parce que c'est son ami. Non, mais ce que j'aime pas, en fait, je t'explique chez les. C'est que. Nous, tu vois, quand je te dis, comme. Mais qui est les garçons? Mais si je dis ça devant ça, il va me casser la gueule. Si. En gros, les filles et les garçons, on est complètement différents. Un gars, s'il aime pas quelqu'un, il va jamais calculer. Et s'il se calcule, c'est juste pour se frapper. Et après, il n'y a plus rien. Alors que les meufs, elles se font toujours la bise, elles font ouais, ça va, machin et tout, deuxième après, se taille derrière. Tu vois, c'est toujours ça. Bah oui, et c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on est complètement différents. Et il est au centre. Cristiano Ronaldo. Bah, moi, je suis du 1-1, il n'y a personne. Le ballon qui change de position. Il y a
J'aime pas que 3 contre 4 le truc dans le joueur, ça me fout les morts. Chien lui. 3 contre 2. Il perd le ballon. Ah mais lui, j'en ai 7 ans. William Carvalho. Comment, en tout cas, je ne veux pas de leur affaire. Perso, tout à l'heure, ils ont essayé de me foutre, les morts. Ils sont arrivés, Pélo. Même Clara, elle a dit non, mais c'est pas vrai et tout. Mais elle savait très bien que je m'en battais les couilles. Elle le savait très bien. Et en fait, mais je trouve ça sympa de sa part qu'elle s'inquiète. Non, ça se fait quand même pas de dire ça et tout. Et voilà, franchement, je m'en fous qu'elle fasse sa vie et je fais la mienne. Enfin, j'ai envie de jouer à la PS4, elle regarde sa série, Voilà, je sais pas. Bien foiré. Chacun fait sa vie. Je veux pas lui dire, ah non, tu fais ça, enfin, c'est bon. Je suis pas non plus un beau. Encore ? Non, franchement, je sais pas. Je pourrais même pas te dire en fait parce que. Déjà, je vous parle pas. Franchement, je pourrais pas te dire en fait. Oh, enfin. 3-0, toujours pas de réaction. C'est pareil. Ils étaient en train de faire un chemin quand même. C'est l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Ouais, après ça t'a du cher. Joao Mario. Bah oui. Et en fait, aussi ce qui m'énerve, c'est que les filles, quand elles sont amies, elles sont genre tu parles à quelqu'un, et en fait, limite, tu parles à 5 en même temps, tu parles à toutes tes amies en même temps. Limite, tu devrais mettre entre parenthèses, tu devrais dire salut les filles, t'sais. Parce qu'en gros, elles sont toujours en train de screener les messages. On s'approche de la zone de vérité. Le soir quand je m'engueulais avec Maëlys, entre parenthèses, j'ai dit salut Marine entre parenthèses, je crois, mais j'ai marqué salut Marine entre parenthèses. Je dis parce que je suis très bien que tu as screené ce message. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Non mais franchement, c'est chiant. Enfin, en fait, ils sont toujours obligés de savoir ta vie. Moi, les seuls trucs que je vous dis, c'est le son des trucs drôles. Enfin, je sais pas, je vous raconte pas toute ma vie. J'aime pas entendre mon message, mais plutôt. Je sais pas. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. On se raconte pas des trucs pour qu'on brasse les fous. Frappe d'Anthony Martial. On va faire un match qui va faire battre les tenter sa chance quand même. Alors que les meufs, des fois, elles racontent tout et n'importe quoi. Je comprends jamais. Attention, il a du choix. Je peux lire avec la PM. Ah, bref, on m'en fout d'Arsenal. La passe était appuyée, le contrôle est bon. Elle a peut-être une bonne occasion. Mali. Joao Mario. On a atteint l'heure de jeu. Peut-être pas, non. Moi, au début, je suis acheté des tissus. Ça me fout les morts comme les Somtex, ça te détruise avec un artère. Non, c'est les Portugais vont-ils la jouer, ça me saoule. Ah non, le centre sera pour personne. Qui est avec moi ? Pogba. Belle intervention, changement de possession.
en geste défensif. Ce sera donc une touche. Il a raté sa touche. Le ballon est récupéré par l'équipe adverse. Ah non, pas là. Non, le ballon est perdu. Oh, je suis bandé par la machine de guerre. Ici, du coup, franc. Oh, fou. T'as repris la manoir pour chercher, hein, qui fait des one, c'est juste qu'il a de la chance. Il y a un carton. Oh, il a récupéré le ballon dans la zone de vérité. Salope, à la fin, un peu fou. Par contre, ballon perdu par Matuidi. Mon marqueur, c'est bon. Franc au Portugal. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi. Pas là pour chercher. Joao Mario. Ok. Ah oui. Paul Pogba. Et les Portugais obtiennent la touche. On va chercher à comprendre, faut juste expliquer le jeu. Voilà, la touche qui a été interceptée. Anthony Martial. Antoine Griezmann qui frappe. Il casse dans la minute du temps réglementaire. Il n'y a pas eu de code. La manière qu'il dit. Très bien joué, les Bleus ont repris la balle. Pas contre un in-game. Joao Moutinho, il perd le ballon. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Samuel Umtiti. J'en ai marre de rien voir là. Des milliers de coffres par jour, j'ai rien. Putain. Là. Ah oui, le bon ballon. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Mort de rire, ça m'a tout remis à zéro. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure. En fait, je me suis fait pigeonner tous mes camouflages sur mes armes, ils se sont cassés, ils se sont largement vachement. Et il va y aller. Superbe frappe en finesse. Bah ouais, c'est son... genre j'avais un peu sur la coude d'œil, c'est passé. Ah, les gardiens qui vont s'incliner à nouveau. Et en plus, le pire, c'est qu'en fait, ils sont en deux en fait. Ils ont certainement tué le match. Hein. Le score est maintenant de 4-0. Attention, ça peut être dangereux. Oh, mais c'est ça l'équipe qui veut faire. Bien sûr que ça peut tuer. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Fini. Avantage, les Bleus continuent malgré la faute. Fini, il faut pas démarrer. Anthony Martial qui frappe. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Oui, mais je vais faire un coup de gros télé parce que c'est dégueulasse que tu t'es fait faire une guerre. En plus, ils sont loin de la ville. Ils sont allés chaque ville en fait. Oh, attention. Bah ouais, surtout ça peut être cool que les trucs soient un peu bon. Ouais, vas-y, je vais aller sur GTA juste après, je vais le créer. La passe en profondeur. Oh non. La frappe. Oh la voilà. Ah, il a raison d'être heureux. Ah, c'est pas grave. Que... J'avais dit, c'est pas grave, c'est un traducteur. Ça fait plaisir de voir, le match était déjà gagné, mais... Mais qui voudra, c'est un vieux cassin. Hello, il s'est créé en... CWL, l'autre. Avec sa digimute, avec viseur Hello. Dès qu'il arrive dans un endroit, il faut rocher, il prend son arcassin. Mais c'est quoi, c'est cool. Plus franc pour le Portugal. Hello, tu veux rocher, je te mets deux balles avec ma vie, même. Rafael Guerrero. Soumets-lui là, pas de camper. Cherchez pas la pellicule.